tu m'aimes, c'est bien là le problème. Je vais sûrement craquer si tu t'approches de moi. Respecte mon choix, tu me comprennes. Cet amour interdit me culpabilise. Ça pourrit la vie, laisse-moi partir. Je veux avoir une chance de t'oublier. Ça ne vaut plus la peine, comprends ma gêne. Je te ferme ma porte, c'est trop compliqué. Yeah, yeah. Cet extra entre nous doit se terminer. Cet extra entre nous doit se terminer. Yeah, yeah. Oh mon bébé, je suis tellement désolée. Yeah, yeah. Faut arrêter ce jeu, parenthèse de côté. Je sais que tu m'aimes, c'est bien là le problème. Je vais sûrement craquer si tu t'approches de moi. Respecte mon choix, tu me comprennes. Cet amour interdit me culpabilise. Hello la team, comment ça va, comment ça va? Alors aujourd'hui on est le 23 mai, je dis ça parce que je suis en train de partager. Alors ouais, vas-y, partage, 23 mai 2019. 2019, partagé dans le groupe. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Moi uniquement, reviens en arrière. Et dans le groupe, dans un groupe, tu sais que tu bosses chez Orange Corps, c'est parti. Voilà, voilà. Donc, si c'est parti, ça veut dire que je peux mettre ça et voir qui est là. Il y a Manono. Comment tu vas, Manono? Bien ou bien? Alors, on est le 23 mai. Ouais, c'est super. Il y a Fabrice Feix qui est là, premier de la journée. Un petit coup de café. Voilà. Pourquoi j'ai fait un petit peu plus tôt ce matin? Eh bien, parce que j'avais envie. C'est tout simple. Tiens, j'ai la tête qui dépasse sur le truc. Allez, on va mettre plein écran. Voilà, j'ai un petit peu fait quelques réglages hier soir pour récupérer mes modos. Hein? Alors si je fais comme ça, ça me permet de libérer tous ceux qui sont là. Voilà, surtout Marie-Ange qu'on ne voit pas souvent, parce que Marie-Ange, elle est en dessous de moi, cachée par mon corps. Hein? Voilà. Et si je fais ça, voilà, Marie-Ange, Anthony, Julien. Et si je fais comme ça, c'est l'autre équipe, n'est-ce pas? Avec Valérie qu'on ne voit pas souvent ici, Valérie qui est là, voilà. Et parce que Valérie est souvent cachée par mon... Voilà, voilà. Alors, salut Pegasus, eh ben super les anniversaires, ma petite nono que tu as mis là. Qui est-ce qui est là? Il y a Laurence Delta, salut Laurence Delta. Alors, tu as trouvé le sens? Ça s'appelle ça, je crois, c'est retrouver du sens. Pour 2025. Dis donc, ça sent la retraite à 2025. Hein. Salut à tous. Alors, si tu as regardé le générique, salut Nathalie. Alors, Nathalie. Ah oui, Nathalie, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est vrai que dans le générique, enfin, non, plutôt dans la description de la vidéo, il y a les anniversaires qu'on va pas tarder d'ailleurs à faire tout de suite. T'as toujours pas trouvé le sens. En tout cas, moi, hier, je peux te dire, et tu l'as vu dans le générique, et que tu verras aussi dans le générique, je pense, de sortie, c'est le sens interdit d'Orange. C'est une réunion, enfin un atelier table ronde auquel j'ai assisté hier après-midi. Donc c'était sur un site que je ne connaissais pas, qui gagne à être connu, le site de Marc Adé. Alors il y a un répartiteur, mais il y a aussi un super endroit qui s'appelle Lab 114. Je crois que c'est Valérie qui s'en occupe là-bas, pour Orange. C'est un très bel endroit de coworking. Alors on n'est pas seul sur l'endroit, il y a une autre entreprise. Enfin, ça permet quand même de se rencontrer de façon complètement différente. Alors je posterai quelques photos, mais bon, franchement, ça vaut le coup. C'est un truc voilà, qui m'a bien plu. Salut André, comment tu vas? Bah écoute, le mieux c'est que je commence. Alors André, où tu es là sur les photos des... Ah oui, voilà, André il est là, juste ici. Tac, 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 hop. Tu vois, je fais mes cours là pour la météo, là, c'est difficile hein, sur un fond vert. Donc il est là André, tac, voilà. André est là et c'est le seul des modos qui est là aujourd'hui. Allez, on attaque les anniversaires, tranquillou, pénardou, comme ça on aura un petit peu le temps de se dire 2-3 choses. Il est 8h21, c'est ça qu'il me faudrait. Il faudrait que j'aie l'heure quelque part, à réfléchir. Les anniversaires, ah j'ai pas regardé si le iPad fonctionnait. Ah ça par contre tu vois c'est, j'aurais dû. Ah bah si, oh la vache ça devient fonctionnel hein. Allez, joyeux anniversaire à toi, et puis en même temps que je mets l'anniversaire, je vais mettre ça. Voilà, elle est pas belle la vie. Alors il faut que je baisse ça pour qu'on voit les noms. Joyeux anniversaire à ST2 Sanctis et à Baudouin Van Eck. Ça, c'est les deux premiers de la liste. Donc, hop, je fais ça. Oh là là, il y en a des notifications.
qui sont en attente. Alors, je ne sais pas si j'en avais sur 7. Oui, je vais aller regarder tout de suite l'équipe numéro 3 pour finir sur la bonne. Voilà. Un petit coup ici. Joyeux anniversaire à Monsieur Bernard Tchoula et à Fanny Djamène. Ça, c'est la partie camerounaise de la famille. Hein? Voilà, donc un an de plus, ça se fête. Hein? On va attaquer au champagne tout à l'heure. Et là, j'ai la dernière équipe qui est ici. Voilà. Je devrais te montrer ce que je fais en fait. En fait, tu le vois là tout à fait en dessous ici, ce que je bricole pendant que je fais ça. Voilà. Troisième équipe avec le joyeux anniversaire à Ludivine. Eh oui, ma Ludivine. Alors, tu vois, je me suis posé la question ce matin. Qu'est-ce que je fais? C'est l'anniversaire de Ludivine. Est-ce que je l'appelle au téléphone à 8h22? Non. Tu vois, ça. Voilà, on se connaît bien. Salut Pascal. Salut Christophe Ragnaud. À quand une visite sur une de mes animations? Ben, il faut que je. Tu as raison, Christophe. Il faut vraiment qu'en plus de Christophe, il faut que je regarde. N'hésite pas à me renvoyer ton planning. Tu m'avais envoyé une fois. Il faut que je me les mette quelque part. Comme ça, un de ces quatre que je viens de. Je rappelle à tous que Christophe, c'est du chocolat. Du bon chocolat. Et puis voilà. Mais il va falloir que je fasse ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Ludivine ou pas? Allez, 18 et 4 égale 22. Ça, c'est ce que je faisais avant. Non, je suis. Non, je pense pas que. Je pense pas que ce soit. Non, ça va pas le faire. Hein? Allez, joyeux anniversaire à Ludivine, à Nathalie qui est avec nous. J'allais dire, bah, Nathalie, elle, on peut l'appeler. On est sûr qu'elle est là. Hein? Pourquoi pas? Hein? Après, je finis ça. Joyeux anniversaire aussi à Yanis Mesdari. Joyeux anniversaire à Marlène Cantagrel, Patrick Rizzo, Yannick Nagré, Rémi Charpentier. Fabienne Moret, Éric Cazès, Lilian Daubin, Julien Dersin, Éric Descourrières, Tanguy Ducatez, Anne Rioual. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Alors vous prenez un an de plus, profitez-en un maximum. Vas-y, pour commencer, sers-toi un café. J'allais dire des bulles, en ce moment, c'est pas le moment. Non, on ne prend pas de bulles à cette heure-ci. Fais-moi plaisir, non. Voilà. Bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on leur souhaite un bon anniversaire. Hein? Et puis si tu rencontres quelqu'un dans cet anniversaire aujourd'hui, tu n'hésites surtout pas. Merci Nono pour le petit truc de tous les matins avec les joyeux anniversaires. Alors tu sais ce que je vais faire? Je vais faire une chose. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est aller essayer. Alors tu sais que tu peux m'envoyer une photo en MP si tu veux, de là où tu es. Nathalie, je vais essayer d'appeler Nathalie. C'est pas garanti. C'est pas dit qu'elle réponde. Alors c'est Nata et plus loin, Li. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que je la trouve? Ah! Ah oui, c'est pas dit que je la trouve. Parce que tu sais que dans tes paramètres, tu peux interdire qu'on t'appelle. Ça peut se jouer comme ça. Qui c'est qu'il y a là? Il y a Dan Dany. Salut mon ami Dan Dany! Fabrice Fay qui souhaite un bon anniversaire Ah, ça y est, je l'ai. Ah ben oui, mais Nathalie, elle n'est pas disponible. On va tester quand même, hein, mais c'est pas dit. Après, je ne suis pas certain, mais si on est amis. Alors, je fais un petit coucou, déjà. Voilà, c'est bien un petit coucou, hein. Et puis en même temps, j'appelle. Avec la vidéo. Ouh, t'entends, ça sonne. Voilà, il va y avoir un écho d'enfer. Oui, parce que j'ai pas mis le casque. Salut à Bubu, salut mon Bubu, comment tu vas? À un de ces quatre pour une petite entrecôte. Faudrait qu'on trouve le temps. Salut Joël. Ah, échec de l'appel. Dommage, elle n'a pas répondu. Ah, on fait même pas de, on met même pas de message. D'accord. Alors il y a ouh, la didounette qui est là. Ben, ça va, je suis pas tout seul. Hein? Il y a des modos qui sont arrivés dans la room. Ben, écoute, on essaie d'appeler Joël. Hein? On essaye. Ben, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien, j'ai fait une connerie. Joël, recherchez Joël. Nathalie, Christophe, je vais sous la douche sous peu, peut pas te répondre. Ouais, j'ai bien compris, mais il n'y a pas de souci. Écoute, on te fait de gros gros bisous. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas été OK pour aller sous la douche avec toi, mais non. C'est peut-être dans les années. Tiens, ici, dans le sens d'Orange, on se disait que plus tard, ben voilà, on irait carrément. Venez chez moi. Non, on n'aurait pas été sous la douche, mais voilà, une petite caméra chez toi les jours de ton anniversaire pour passer la journée. Joël, il me dit non, ne m'appelle pas. Jeanne, salut, comment tu vas? Bubu, avec plaisir d'une entrecôte. Nathalie, je vais sous la douche, ok. Je peux pas faire de vidéo. J'ai vu qu'il y avait la Dan Dany et la Valérie. Bah tiens, je vais essayer d'appeler Dan Dany. Non, je sais pas, elle va peut-être me répondre. Dan Dany. Bah oui, parce que comme ça, on aurait eu quelques petites nouvelles. Comment ça à rechercher? Je ne le trouve pas. C'est le désordre, ça aussi, il est là.
On va rechercher. Tiens, je vais mettre le... Oh là, il est où le truc? Voilà, il est là. Je vais mettre le casque si jamais tu me réponds, qu'on soit pas dans le désordre. Ah, je vois qu'elle m'a envoyé une photo. Hop. Voilà, on va avoir des petites nouvelles C'est pour avoir des nouvelles du challenge, parce que vous êtes en challenge, les enfants, l'activité de la session. Voulez-vous annuler pour vous déconnecter? Cliquez sur annuler pour vous déconnecter. Ça y est, c'est fait. Non, parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Il me répond pas. Je sais pas si t'entends, mais t'entends. Bon, bah écoute, non, bah écoute, j'ai tenté, hein. J'ai tenté. Bon, en attendant, je voulais souhaiter, vraiment, on croise les doigts pour tous les agrumes qui vont passer aujourd'hui. C'est la demi-finale du concours d'éloquence. Voilà. Et donc, salut mon ami Dandani. Bah, écoute, c'était pour te faire un petit coucou. J'ai vu que tu étais en ligne. Te dire, être avec toi pour le challenge et puis avec tous les agrumes qui le passent. Et puis, pourquoi pas se retrouver à Dubaï, hein, si tu es parmi les super gagnants. Allez, je te souhaite une bonne journée. Bye bye. Je parle devant la caméra comme si c'était un truc caméra. Donc, je lui ai envoyé quelque chose qui était vidéo. Alors, Jeanne a envoyé une photo. Eh bien, évidemment, Jeanne, merci beaucoup. Voilà la photo de Jeanne d'aujourd'hui. Hein. C'est un petit peu la météo de. Personne ne m'a dit on t'entend pas bien. Parce que le micro, il était super loin. Voilà, je le remets là. Eh ben, non, non, mais ça va, je peux compter sur vous, quoi. Je me disais, il y a un truc là. Je me vois parler et je vois, mais je dis ça capte où. Donc voilà, ça, c'est la photo de Jeanne. Merci beaucoup, Jeanne. Ça, c'est la météo d'aujourd'hui sur Nice. Dandani, ça c'est ce que j'ai appelé. Et ça, c'est le départ de mon ami Bubu qui, hop, voilà, il est là. Bubu, voilà. Donc Bubu avec ses belles chaussures et qui se prépare à partir avec sa trottinette. Voilà. Super. Je reviens ici. Ça c'est bon. Voilà, ça c'est ma base, c'est ma caméra de base. Avec. Ah merde, il y en a qui sont cachés par le micro. Donc, elle est où, ma Didounette qui est là aujourd'hui? Ma Didounette qui est là. Alors, est-ce que je peux faire ça? Oui, elle est juste ici en dessous. Anan travaille beaucoup plus tard le matin, donc c'est pour ça. Il y a ma Nono qui est là. Hop, Nono. Il y a Joël juste au-dessus. Il y a. Bon anniversaire aux agrumes du jour. Ça, c'est Didounette qui dit ça. Et Paoli qui dit salut, salam, shalom. Alors oui, te parler de, j'ai dit, hein, une bonne pensée pour tous les agrumes qui font le concours d'éloquence. Alors, je sais que parmi ceux dont j'ai connaissance qui vont y participer, il y a Alexandra que j'ai vu hier à la fameuse table ronde sur l'agilité. Il y a Mehdi Femibel qui est aussi, j'ai vu ses préparations sur Twitter. Après, il y en a sûrement d'autres, mais bon voilà, comme je n'ai pas, j'ai pas tout suivi ça de loin ou de près, donc je suis un petit peu à la ramasse. Quoi de neuf aujourd'hui? Ben, on va parler un petit peu de Huawei, de l'affaire Huawei. Et ben, écoute, c'est simple, hein. Je vais te passer ce qu'a dit le boss parce que je l'ai là, je l'ai où? Voilà, je sais plus où je l'ai. Je l'ai dans le navigateur. Voilà, c'est une petite vidéo du boss qui, quand il est passé à la télé, tu vas voir, ça dure pas longtemps. C'est là. Tout le secteur aujourd'hui est extrêmement inquiet de ce qui se passe. En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet de Huawei, fournisseur d'équipement de réseau, avec la 5G qui arrive, mais il y a aussi le sujet de Huawei, deuxième fabricant mondial de smartphones, que nous avons introduit ces dernières années dans beaucoup de marchés, et pour lesquels, là aussi, une exclusion américaine aurait des conséquences extrêmement lourdes, y compris d'ailleurs pour le grand public, pour le consommateur. Bien sûr. Donc c'est un sujet de grande inquiétude. Il faut comprendre que dans ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, ceux qui sont les plus concernés ou qui peuvent subir des dommages collatéraux, ce sont les Européens. Pourquoi? Parce que les Américains, eux, vont faire la 5G sans Huawei, de toute façon. Les Chinois, avec. Donc la question, c'est le reste du monde. Et dans le reste du monde, il y a les pays en développement, l'Afrique, l'Asie, qui vont continuer à faire, bien sûr, appel à Huawei, et puis à l'Europe. Donc aujourd'hui, le nœud du problème, il est en Europe. La question, elle est simple. Est-ce que l'Europe a aujourd'hui la volonté de se démarquer des positions américaines, de maintenir une forme d'équilibre, en effet, entre les impératifs de sécurité qui sont essentiels et que tout le monde partage, et aussi la nécessaire diversité
dans les approvisionnements et aussi l'intérêt qu'il y a de ne pas se couper de la technologie de Huawei. Ouais. Voilà, bon, on l'a compris, grosso modo, c'est un petit peu ce qu'on pensait. L'histoire de Huawei, elle est très, comment dirais-je, c'est très très politique. Et effectivement, comme le rappelait SR, les gens qui vont être un petit peu impactés, qui vont regarder ça comme ça, ça va être les Européens, donc à bien savoir que faire gaffe à ne pas se prendre du retard sur la 5G, etc., etc. Encore une fois, j'espère que je vais pouvoir avoir quelqu'un de Huawei qui viendra nous donner son petit éclairage là-dessus, la position. Tiens, il y a Ludivine qui est là. Bonjour Ludivine, joyeux anniversaire. Si tu regardes le replay, tu vois que j'ai vraiment hésité à t'appeler. Hein. Là, franchement, je me suis croisé les doigts et tout et tout. Il y a Akos Robot qui est là. Il y a Anthony Kess, Adam de Lyon qui est là. Martine Fraissinet et Matititi. Matititi est de retour. Elle est là à nouveau dans les matinales. Alors, c'est vrai qu'en mettant la matinale peut-être un peu plus tôt, ça me permet d'avoir des gens différents, des agrumes différents qui se connectent. Jacqueline Legrand qui est là aussi. Paoli, j'avais vu. Jeanne, j'ai vu ta photo, donc tout va bien. Bubu qui me disait Alexandra de Cergy. Oui, Alexandra Daché de Cergy qui est au concours d'éloquence aujourd'hui, donc une pensée pour elle. Ludivine l'a fait l'année dernière, ce truc. Et d'ailleurs, non, je pense que si Ludivine... non, Ludivine n'est peut-être pas en voiture à cette heure-ci. Hein, on y va ou on n'y va pas? On le fait ou on le fait pas? Salut Grégory, Huawei ne va plus vendre ses mobiles comme actuellement, à mon avis. Salut Christophe. Oui, je sais pas exactement ce qu'il va en être, parce qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, ils n'ont pas dit non plus qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place pour la contrepartie. N'oublions pas une chose quand même, c'est que Apple, les iPhones, qui sont très américains, sont fabriqués pour la plupart en Chine. Donc voilà, c'est il y a de gros intérêts là-dessous, et c'est pas tout gagné, pas tout perdu. Retour sur la communauté des agrumes, savoir ce qui s'est passé. Alors tu vois, on est à 11 766 membres. Ça veut dire que tu as bien bossé, mais ça veut dire aussi qu'il y a encore des choses à faire pour la fameuse utopie de mon ami, comment il s'appelle, André, qui dit si pour l'été on était à 12 000. Bon, t'as vu, il y a du chemin, mais c'est avec toi qu'on va le faire, le chemin. Il va falloir que tu en parles à gauche, à droite, à tes collègues. Alors, le plus important, c'est d'en parler. Encore hier, il y a quelqu'un qui a invité sa femme, son fils. Alors, je suppose que c'est une erreur. Hein. Quand tu invites quelqu'un comme ça et que je vérifie et que je vois que la personne n'existe pas sur l'annuaire, je suis désolé. Hein. On a les vérifications qu'on peut faire, et puis des fois on peut pas plus, donc je compte sur toi pour qu'on remonte tout ça. Je continue avec ça. Alors, donc ça c'est l'afterwork, donc il y a un afterwork ce soir à Nantes. Tu l'as vu, afterwork à Nantes? Non, c'est pas ce soir, c'est demain. Oulala, Christophe, il faut que tu dormes demain, 20h, c'est 20h, voilà, sur le restaurant Odec. Je t'attends, ce sera les 5 ans de la communauté des agrumes. Oh, on va fêter ça tranquille, hein. on va pas sauter dans tous les sens. Salut Mickaël, il y a Mickaël qui est là. Je pense à toi aussi Mickaël, parce que je viens de préparer mon petit voyage sur Toulouse, où je serai le 7 le 6 juin, je suis à Montpellier au Digital Day, et le 7 je suis à Toulouse, Blagnac, pour une présentation avec les étableurs. Voilà, comme ça je te le dis, je sais pas si tu seras, c'est pas si on va se rencontrer ce midi là voilà. Et puis donc le restaurant c'est demain vendredi. Benjamin, il nous parle de quoi? Bienvenue chez moi, d'accord. Top 15 des villes alsaciennes imprononçables. Tu fais bien de mettre ça. Niederschäfelsheim. Je ferais bien de t'appeler pour te demander comment on fait pour prononcer ça. Alors, comment on fait pour l'appeler? Je vais ici. Comment je peux l'appeler? Faut que j'aille un message. C'est pas facile. Et je fais ça. Voilà. Non, je l'appelle en direct. Hein. C'est le grand truc. Bah oui, il a dit que c'était imprononçable, on va essayer de voir s'il peut le prononcer. Après, c'est pas dit qu'il réponde, hein, parce que c'est le matin, tout le monde a un petit peu branle-bas de combat. Quelle heure il est? Ouais, 9h. Ah là 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 là. J'ai pas finalement beaucoup de succès avec ces appels. Hein. C'est pas ça qui est ça. Ah ouais, non, mais ce que tu vois là, oui, effectivement, c'est le fond vert. Bah oui, parce que je peux pas activer le fond vert sur le iPad. En fait, il faudrait que je fasse ça. Pour rester machin et que l'image reste un petit. Il nous répond pas. Nous ne saurons pas comment ça se prononce.
Et on peut même pas laisser de message, ou si on peut arrêter juste là. Salut Benji, c'est Christophe. Bah écoute, avec les agrumes, on aurait aimé que tu viennes nous prononcer bah ton petit le nom de ta ville. Hein? Bon, bah écoute, à l'occasion. Hein? Allez, à plus tard. Bye bye. Envoyé, je sors de là, je vais là, et je remets ça à l'image. Donc Benjamin, je sors de Benjamin. Donc ça, c'est le mot. Dominique Caillot. Ah ouais, j'ai vu que Dominique, hier, il avait un problème avec des personnes qui l'ont appelé, qui ont eu des décodeurs nouveau modèle, alors qu'ils n'avaient pas la possibilité de le mettre. Bon, d'accord. Bon, Evangeline, Lily qui a mis fuck Android. En ce moment, Evangeline, tu mets des choses un petit peu bizarres. Hein? Voilà, ça c'est la matinale d'aujourd'hui. Ça c'est quoi? C'est André qui a mis la pub pour Maison Protégée. Est-ce que vous avez vu la pub pour Maison Protégée de ah merde, je ne sais plus comment il s'appelle, du collègue de je vais retrouver son nom. Non, direct, je vais trouver son nom tout de suite parce qu'on a discuté hier soir. Il est sur le 2. Ah, c'est pas grave, j'assiste, je vais trouver son nom. Donc tu vas sur le 1, tu fais ça. En fait, il me faudrait quasiment deux trucs. C'est pas là qu'il fallait que je change. En fait, tu vois de quoi je veux parler. Hein? C'est la vidéo de... La vidéo de Avignon-le-Pontet. Il s'appelle... J'allais dire il s'appelle Robert. Je suis pas du tout certain que ce soit ça. Mais j'y tiens, je vais te le dire. Quelqu'un va me donner le nom. Boutique du Pontet, merci. on approche. Boutique du Pontet, changer de compte, et on va là. Oui, voilà. En fait, en plus, à chaque fois, je peux changer de compte, hein, j'arrive à bouger entre mes comptes avec l'application, sauf qu'à chaque fois, il m'envoie une notification comme quoi, voilà, Roland Hubert. Roland Hubert, la super vidéo de Roland Hubert qu'il a faite au Pontet, pour MP, je n'ai toujours pas l'application d'Apple. Ah bah oui, non, mais l'application d'Apple n'existe pas. Hein. N'existe pas. Alors ça, c'est quoi ça? Benjamin qui a dit... Ah bah Benjamin, il a mis encore un truc, tu changes de sport, tu changes de pompe. Ah bien les pompes de Benjamin. Moi, j'aurais bien aimé si elle avait été noire et orange comme ça. Noire et orange comme ça, je les prends comme pompe pour les... Voilà, maison protégée, donc d'après... D'après André, on commence à Opéra une animation sur Maison Protégée. D'ailleurs, Maison Protégée à Opéra, dis-toi bien une chose, c'est que Maison Protégée, c'est carrément tout un corner. J'attends qu'elle sorte aussi, juste la page web pour l'instant. C'est vrai que, bon, moi, j'ai dit que Maison Protégée fonctionnait très très bien, hein, chez moi, qui est installé depuis 2 mois déjà maintenant. Ça fonctionne super bien. Mais j'avoue que l'application, moi, j'ai les deux appareils, j'ai un Android et un iOS. J'y vais quasiment jamais. Parce que je la trouve pas digne de Maison Protégée. Voilà. Alors, avis à ceux qui développent, allez-y, lâchez-vous. Faites quelque chose de clair, comme ça, ça serait bien, quoi. Alors, je regarde un petit peu ce qui est là, parce que c'est Arnaud Rude qui a signalé quelque chose, un incident sur une armoire. Donc voilà, il a signalé avec dommage réseau quelque chose sur une PMZ. Si quelqu'un de la conduite peut me donner une tranche horaire, voilà. Alors oui, effectivement, tu sais que quand tu signales quelque chose sur dommage réseau, tu reçois un accusé de réception qui te donne, je le vois là, le numéro d'enregistrement, mais aussi la date à laquelle ils vont intervenir. Et là, Arnaud, en plus, il a poussé le bouchon en disant, bah, écoutez, si vous m'en donnez l'heure, je viens voir comment vous intervenez. En tout cas, c'est une affaire à suivre, et on verra si effectivement les dates qui sont données sont bonnes. Je partage ton avis sur les applis et le site, trop modeste pour Orange. C'est vrai que, mais ça, c'est à tous les niveaux, hein. Bon, on va pas ouvrir le débat des pleurs, mais même l'appli d'Orange Bank qui fonctionne bien. Au fait, ça y est, on est réconcilié avec Orange, hein. Ils vont me redonner mon pouvoir d'achat. Il n'y a pas d'autre mot. Ils vont me le redonner ce soir 20h. Bien, quand même. Hein. J'ai diffusé le mail qu'ils m'avaient envoyé. Ouf, j'ai eu peur. Hein. Même pas possibilité de dépenser son argent. Mais quelles que soient les applications d'Orange qu'on a sur nos mobiles, je trouve que peut-être en dehors de la Livebox. Franchement, la Livebox, elle a super bien évolué. Je la trouve bien. Elle a bien évolué.
Le nouveau Orange et moi, j'ai pas eu le temps d'approfondir, mais c'est vrai qu'en général, quand tu regardes Orange, bon, quand tu regardes, là on parle de maisons protégées, les applis, voilà, elles sont jeunes, elles sont jeunes. Alors tu vas me dire, ouais, il faut les laisser vieillir, grandir, enfin, je sais pas ce que tu veux qu'on dise. Bah oui, mais bon, encore une fois, c'est comme pour la paye du vin. Est-ce qu'on est une start-up? Est-ce qu'on est une PME? C'est un grand groupe. Donc, j'aimerais bien, tu vois, faire un vie ma vie au cœur d'une appli qui naît chez Orange. Alors tu vas me dire, ouais, mais tu crois que une appli, ça se fait comme ça en claquant des doigts? Non, je sais pas, je ne dis pas que je sais comment ça se fait, mais justement, j'aimerais savoir comment ça se fait chez Orange pour arriver à ce résultat-là et comment ça se fait chez les autres pour arriver à ce résultat-là. Est-ce qu'il y a plus de moyens? Est-ce qu'il y a plus de développeurs? Est-ce qu'il y a, enfin voilà, savoir pourquoi nos applis sont cette petite, ce petit quelque chose qui fait un peu bizarre. Voilà. Donc on est encore sur Huawei, ça nous occupe beaucoup. Christian dit, les gens qui prennent beaucoup de selfies souffrent de troubles psychologiques. Bon, tu as compris, hein, moi je suis complètement... Ouais, non, mais je dois être complètement ravagé. Stéphane Barrois qui dit Livebox gestion à distance. Ah ouais, ça c'est ça. J'ai bien voulu activer mon code. J'ai dit que tous les comptes associés ont déjà été autorisés. Voilà. Alors je sais pas, oui, ça je pose la question. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le gestion à distance de Livebox? Parce que je vois que Stéphane Barrois, il dit que chez lui, il a le message comme quoi tous les comptes ont été autorisés. Et moi, j'ai un message qui dit que le compte, je prends le compte principal de la Livebox, hein, le compte avec lequel elle est ouverte, et ça me dit, ce compte n'est pas autorisé. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est ouvert simplement par les hotlines quand on te prend la main, ou on a le droit, parce qu'en fait, je me disais, ben, pourquoi pas envisager de m'occuper de ma Livebox à distance. Donc, j'aimerais bien savoir si quelqu'un l'a réussi une fois. Pour savoir le quoi, le comment du truc. Hein. Alors, je n'ai pas regardé les commentaires. Je crois que ça ne fonctionne que si on est en Wi-Fi. Ouais, d'accord. Je suis encore tombé dans un trou noir. D'accord. Pas mal configuré. D'autant que c'est avec le même téléphone et le même compte. Ok. As-tu autorisé la gestion à distance, Cécile? Oui. Je ne dis pas autorisé, mais sur l'application Livebox, en fait. Voilà. Enfin, bon, bref. À voir. Tiens, Roland Hubert, là, voilà sa vidéo. Elle est là. Ici. Alors Roland, sur la boutique du Pontet, sur la page Orange, la boutique du Pontet, ils ont fait pas mal de vidéos. Alors certes, à chaque fois, je préfère qu'ils nous la donnent comme ça, c'est-à-dire qu'en natif, comme ça, voilà, on n'a pas un lien vers un truc extérieur. C'est pas mal, la vidéo nous montre vraiment l'installation telle qu'elle se fait. Hein, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, que ça s'est passé comme ça chez moi, avec une explication et tout, tout. Il paraît qu'en ce moment, vu le succès de l'application Maison Protégée, il y a un petit peu d'attente sur le truc. Voilà. En plus, la pub à la télé, alors moi je l'ai vue hier, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous ce que tu en penses. Moi j'ai trouvé, ouais, sympa, ouais. Maison Protégée, un petit peu décalé, cette mise en scène de braquage par soi-même, pas mal. Affaire à suivre. Donc Jérémy Orange, on l'a vu. Ça, c'est Olivier qui a Chili. Ça, c'est un petit problème de relance pour le rendu du matos. Ah oui, ça aussi. Ça fait partie des métiers d'Orange. Donc là, c'est la rencontre avec Henri Terraud, qui est, je pense, quelqu'un qui connecte tous les gens du Festival de Cannes, en tout cas dans les services techniques. Donc il est là et il est aussi sur le Tour de France. Ça me fait penser que je vais essayer d'avoir le contact pour faire une étape du Tour de France. Vivre inside, une étape du Tour de France. Donc ça fait partie des petites vidéos que je vais te diffuser. Alors c'est pas tous les soirs, hein, parce que ça dépend quand est-ce que je suis réveillé, ça dépend quand est-ce que j'y pense. Pour te montrer ces métiers, ce sont des vidéos qui me sont gentiment données par Orange France, par la com d'Orange France. Et puis voilà quoi. Donc elles sont sur le groupe et tu n'as plus qu'à aller les voir. Ça c'est mon collègue André qui a rencontré un autre. Manque pas de culot, le truc, ça j'ai vu. Bon, bah écoute, voilà, j'ai fait le tour. Hein. Je reviens ici. Voilà, t'as vu la différence, hein, faux machin. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Moi, ça me dit compte non autorisé aussi. Voilà, bah, c'est ça. Donc, je pensais, à chaque fois que je tombe sur un bug comme ça, je suis gentil, je commence par penser que c'est de ma faute. Alors qu'en fait, c'est sur l'application. Il va falloir, bah tiens, peut-être qu'aujourd'hui, je vais avoir la chance de rencontrer bah, je croyais que j'avais des photos. Ah mince, alors comment ça se passe? Il faut aller là. Là. Ah non.
Ah bah alors, il y a des agrumes qui m'ont envoyé des photos et je ne trouve pas. C'est pas sur le bon compte. Désolé, j'étais à la douche. C'est qui était à la douche? Oui. Oui, enfin, non, ça c'était Benjamin qui a dit qu'il était à la douche. Pareil, Benjamin, on aurait pu venir avec toi à la douche. Hein. Non, mais je dis ça comme ça. Ah non, non, mais il en faut pour tous les goûts. Hein. Et oui. Parité, parité. Nicole dit hello les agrumes, salut à toi Nicole. Pascal dit la pub fait penser à la pub Peugeot où le gars saccage son appartement pour emmener son chien chez le véto. Oui, c'est dans le sens, oui. Peut-être que tu sais que les publicitaires, les idées, finalement, il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas 10 000. Il est beau ce petit t-shirt Hello Job. Tu te rends compte, ça fait déjà plus d'un an Hello Job. J'avais été où? En Guadeloupe. André, moi ça me dit compte non autorisé, c'est ça. Excellente idée, la vie d'une appli. Ah ouais, hein, pourquoi pas Laurence? On va voir. En fait, je suis en train de vivre la création d'une appli en direct. Bon, je ne sais pas si je peux vous en dire. Ouais, je peux vous en dire. À Transfo Digital, où on s'occupe du quotidien du salarié. C'est ça? Transformation du quotidien du salarié. Voilà. On est en train de bosser sur une appli. Mais vraiment, ex nihilo. J'adore dire ça. Ex nihilo, c'est-à-dire on part de rien. Hein, voilà, on part de rien, on discute, on met des post-it et tout, puis on décide qu'est-ce que l'appli va faire, et ensuite on donne à chacun son job à faire. Je te dis, moi je pensais bêtement qu'une appli, tu te mettais dans ton garage, et vas-y, tu codes, tu codes, tu codes, tu sors l'appli. D'ailleurs, j'ai mon beauf qui bosse chez Zalando maintenant, il n'arrête pas de changer de boîte. Les jeunes d'aujourd'hui changent de boîte comme de chemise. Hein. Il a commencé chez Amadeus, il est passé chez BNP, maintenant il est chez Zalando, et il parle déjà d'aller ailleurs. Enfin bon, ben, pourquoi je te parle de lui? Parce qu'il développe. Et un jour, je lui avais dit, tiens, au fait, est-ce qu'on ferait pas un truc? Ben, je te donne mon idée que j'avais, que j'ai pas trouvé les moyens pour la faire. C'était de faire une espèce de TripAdvisor de nos restaurants administratifs. Enfin, administratifs, qu'est-ce que je... Oh, le vieux con. De nos cantines d'entreprise, notre restaurant inter-entreprise ou restaurant machin. Pourquoi? Parce que quand tu es un voyageur comme moi, tu arrives à Montpellier, tu dis, tiens, je suis à Montpellier, je vais manger dans une cantine Pétos. Non, ça s'appelle plus comme ça. Dans un restaurant d'entreprise d'Orange. Eh ben, laquelle j'ai choisi déjà, les géologues, les celles qui sont à côté de toi, et puis surtout ceux qui y mangent l'habitude de dire ce qu'ils en pensent, à l'espèce de TripAdvisor des cantines. Voilà, et je lui avais parlé de ça, je lui ai dit, écoute, voilà, j'aimerais faire ça, parce que chez les agrumes, voilà, on fait une petite appli, et puis on fait ça, et tout. Il me dit, ah oh ben ouais, facile, hein. Le mec, ouais, facile, bon alors il me faut la liste des restaurants, la liste des collègues d'Orange, et puis tu me donnes les coordonnées de chaque truc des restaurants, puis on les contacte, comme ça ils me donnent leurs adresses, les menus, enfin tout un tas de trucs. Il me dit, ouais, tranquille, on fait ça dans un coin. Maintenant que je bosse, je participe à l'élaboration d'une des applis d'Orange, quand je vois le nombre de gens qui vont intervenir, parce que il y a tout un tas de choses qu'on n'imagine pas. Voilà, la sécurité, le dessin, les tenants et les aboutissants des uns et des autres, les machins et tout. Il y a tellement de choses dans une appli, et surtout le temps, comment ça s'allonge. Il y a des choses qui sont incompressibles. Par exemple, quand tu décides de mettre ton appli sur le store Apple, eh ben, il y a un temps incompressible pendant lequel ils vont vérifier que machin, bidule. J'étais vraiment sur le cul. Ben, quelque part, je me dis, que s'il y a tout ce temps, tout ça, on n'a pas le droit de faire une mauvaise appli. Ou alors oui, si, dans ce qu'on appelle les versions zéro, il y a des mots pour ça, je ne me rappelle plus, le minimum livrable, enfin, MDP, enfin, je sais pas, il y a des mots. Enfin, dans les trucs au début, ok, tu peux te tromper, tu peux mettre des choses qui ne vaillent pas, que quand on clique sur le bouton, ça ne t'emmène pas au bon endroit, ok. Mais après, quand ça sort, s'il te plaît, fais un effort. Fais quelque chose de clean, de beau, de classe. Enfin, bon, bref, voilà. Tout ça, j'étais parti où, punaise? Lulu, où tu es? Je partais en vandamisme. Juste, je surveille l'heure. 34. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Faut pas déconner, je vais pas arriver en retard tous les jours. Voilà. Bah, écoute, sur ces bonnes paroles, sur les applis, je regarde un petit peu ce qui s'est dit. Ouh là là, j'ai complètement largué le truc. Il y a Alex qui souhaite un joyeux anniversaire à sa tendre maman, qui est en convalescence parce qu'elle a eu un petit problème, donc joyeux anniversaire à toi, la maman d'Alex. Zéro, ben voilà, ok. Je vais juste regarder qui est là, qui a fait quoi et tout. Alors, il y a Benjamin qui est revenu. Pascal Python, ça s'appelle des phases de bêta test. Tout à fait.
Tu vois la difficulté pour mener à bien le projet Rio Life Supervisor? Bien sûr, je suis complètement là-dedans. 11766, mon Pascal, oui, mon Pascal, à chaque fois je dis, il faut que je t'appelle parce que j'ai encore un souci. En fait, mon Pascal, il faut que je te dise, la dernière fois tu m'avais sauvé la vie, c'est vrai, pourquoi faire des cachotteries par rapport aux agrumes, hein, on est là, notre vie est allée au grand jour. La dernière fois tu m'avais sauvé la vie avec ma box. Tu te rappelles, ma box n'avait pas passé le cap maison protégée. Et ben là, j'en ai une autre. Hein, dans le studio, qui n'a pas passé non plus. Pourtant, elle, il n'y a pas de problème. Je l'ai prise toute neuve, elle m'est arrivée, poum, je me suis installé et tout. Et bien là, aujourd'hui, elle n'a toujours pas passé maison protégée. Alors, ce que je vais faire, je vais te filer le numéro réseau, le numéro, et puis on va faire comme la dernière fois, parce que toi, tu es un gars de ressources. Voilà. Allez. Salut Sonia, comment tu vas? Jeanne qui dit, go, je vais taffer, bonne journée à toi. Et puis, beaucoup de courage. Il y a Laïla qui est là aussi. Pascal, Faz. Et non, ok, bon ben voilà. En fait, toujours est-il que, écoute, on va suivre la vie des applis. Et puis, je pense qu'on va faire... Est-ce qu'on pourrait pas... je sais, vous allez encore dire, ouais, le mec, il est ingérable et tout. Non, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver quelqu'un qui bosse là-dessus et lui dire, dis donc, explique-nous un petit peu. Voilà. Dis-nous pourquoi, comment. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est peut-être tout simplement, on dit, ouais, l'application Maison Protégée qui n'est pas sur iOS. Ouais, c'est pas normal. Bon, il peut nous expliquer. J'ai su, par exemple, qu'on préfère faire les bêta-tests. Enfin, les phases de test sur iOS, non, sur Android, parce que c'est plus facile à balancer dans le store. Et que chez Apple, si tu fais... ceux qui testent des fois les applis, il y a ce qu'on appelle test flight, là, tu sais, la petite application qu'il faut mettre, c'est beaucoup plus... c'est moins user-friendly, comme on dit. Donc, les gens, ils vont moins au test et tout. Donc, il y a peut-être des raisons qui font que... Mais s'il te plaît, viens me les expliquer. Hein, l'antenne des agrumes, t'es ouverte, tu viens, tu dis bonjour, voilà, c'est nous qui ont fait ça. Je rigole. Non, je vais me faire tuer. Ok, allez, on se quitte tranquillement, on se donne rendez-vous demain. Alors demain, on sera vendredi. Je te rappelle, demain, c'est l'after work à Nantes, restaurant Odec. Ce sera à partir... Mais dis donc, Nicole, je pense à une chose. Demain, je suis par chez toi, hein, Nicole. Oh, ben dis donc, je vais te passer un petit MP, qu'on ne se voit. Si tu viens pas à l'after, c'est pas grave, mais qu'on se voit dans l'après-midi, je viens te faire un petit coucou. Hein. Bon, ferme la parenthèse, Christophe. Tu pars en merde. Oui, une pensée, on croise les doigts pour tous ceux qui font le concours d'éloquence. Aujourd'hui, ça sera à Art et Métiers. J'ai nommé... Sandrine, des bisous. Va te baigner. Je sais, t'as fait de l'hélico et tout. T'as pas voulu faire du live pendant l'hélico, hein, je comprends. Donc, il y a Mehdi, hein, on croise les doigts. Alexandra Daché, puis tous les autres agrumes qui vont être là au concours d'éloquence. Si je suis là à la finale, je filmerai un truc pour montrer ce que c'est, parce que ça gagne à être connu. Voilà. Aujourd'hui, dans les choses qu'il y a, il y a à midi, sur le site de Paris-Saint-Maur, pourquoi je dis Paris-Saint-Maur, en région parisienne, sur le SCO Île-de-France, à Saint-Maur, il y a la déclinaison du Show Hello qui va clôturer la saison des déclinaisons de Show Hello dans le SCO Île-de-France, avec bien entendu le chef de village et les ambassadeurs digitaux. Et puis, encore une fois, un gros bisou à Ludivine. Et oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Allez, bye bye, à bientôt. Cet extra entre nous doit se terminer. Oh mon bébé, je suis tellement désolée. Faut arrêter ce jeu, parenthèse de côté. Je sais que tu m'aimes, c'est bien là le problème. Je vais sûrement craquer si tu t'approches de moi. Respecte mon choix, tu me comprennes. Cet amour interdit me culpabilise. Ça pourrit la vie, laisse-moi partir. Je veux avoir une chance de t'oublier. Ça ne vaut plus la peine, comprends ma gêne. Je te ferme ma porte.